Un des plus grands plats que j'ai mangé, c'était une blanquette de veau. C'était fait par un japonais, c'était au petit verre d'eau. C'est un des plus grands plats que j'ai mangé. Tout était parfait. Un goûteux, longueur, jeu de texture, c'était une blanquette de veau. Alors là, ça va être un accord de cœur. Ça va pour aller dans la lignée. Je suis un fan absolu de l'époisse. Dans son crémeux, dans son intensité, mais aussi dans sa justesse. Et j'ai beaucoup d'amis en Belgique, notamment du côté de Bruxelles, et on sous-estime toujours les grands accords avec les bières. Là, c'est une bière Cantillon, une bière belge gueuse, lambic, qui est vraiment d'une intensité incroyable. Ce qui est bien avec cette bière, c'est qu'à la fois, il y a l'effervescence qui permet d'apporter un côté dégraissant et une fine acidité qui arrive à trancher la... Non mais on a quand même deux produits typiquement français. Que serait un fromage sans vin et que serait un vin sans fromage? Voilà, je crois que c'est notre culture. Et là on a voulu vous faire un accord assez original sur un fromage dont Florence va parler un petit peu. Et puis sur un grand vigneron de Loire qui est Philippe Foreau, qui fait des vins d'une justesse extraordinaire, avec une précision énorme. Et on est sur son demi-sec 2009, qui va, je trouve, à merveille avec le fromage. Hein, tu vas pas nous le dire? Moi, je vais vous le dire, alors. Bon, alors dis-le. Rien de secret. Le Roquefort a haussé en 1925. Et juste pour le petit jeu de mots, voilà, c'est le premier à hausser en France, le Roquefort. Et donc pour le petit clin d'œil, quoi, voilà. Au Roquefort, et pour dire que c'était un des premiers fromages aussi en Auvergne, il l'a appelé 1924. Voilà. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Et c'est bon en plus. Et c'est bon. Fire, baby, but so temperamental, I burn it all.